On est obligé d'être intégré dans ces sociétés. Il y a juste pas... Le monde, il est en quelque sorte éclairé par l'intégration qu'on en fait. C'est comme un flash, en quelque sorte. Un rituel, c'est comme un flash. Ça s'allume, ça éclaire jusqu'à une certaine distance, et puis ça disparaît. C'est ça l'idée du... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monde au-delà de ce qu'on éclaire avec le flash, mais ça veut dire que le flash ne peut éclairer que jusque-là. Voilà. Est-ce que ce qui est derrière, on ne sait pas, c'est une autre question. Les rituels, les rituels dont il est question ici, c'est des rituels de passage, des rituels des âges de la vie. Le rituel de naissance, les rituels de naissance, d'attribution du nom, rituel d'initiation, rituel de mariage, rituel des funérailles. Il y a un cycle rituel. Pour une personne, la complétude du cycle consiste à mourir. Une fois qu'on est mort, on a accompli l'ensemble des rituels, mais on n'est plus vivant. C'est un cycle qui est construit sur l'idée que un rituel construit, renouvelle des relations, construit et renouvelle des relations, et que ces relations, en quelque sorte, font un espace de vie dans lequel on va pouvoir vivre, avoir des amis, avoir des affins, avoir une vie sociale. Il est évident que dans cette logique, il y a certains rituels qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, le rituel d'initiation est plus important que d'autres parce que, alors qu'au moment, par exemple, du mariage, il n'y a que les donneurs et les preneurs de femmes qui sont face à face, dans le rituel d'initiation, n'importe qui peut venir participer. Et je vais expliquer de quoi il s'agit. Je me rappelle maintenant ce dont je voulais parler. Les Orokaïwas sont une société qui était traditionnellement cannibale. Et on dit toujours, mais qu'est-ce que c'est le cannibalisme? C'est incroyable. On mange des personnes qui nous ressemblent. Chez les Orokaïwas, en tout cas, les gens ne mangent pas des personnes qui leur ressemblent. Le monde n'est pas divisé chez les Orokaïwas entre personnes et animaux. On mangerait les animaux et on ne pourrait pas manger les personnes. Le monde est divisé en deux également, mais il s'agit d'un côté des personnes et des animaux avec qui on est en relation et des personnes et des animaux avec qui on n'est pas en relation. Alors, parmi les personnes et les animaux avec qui on est en relation, il y a évidemment tous les parents. Les parents, on est en relation avec eux. On partage de la relation, c'est-à-dire qu'on est branché avec des tuyaux avec ces gens-là et que soi-même, on est constitué en partie de ces gens-là. J'ai 10% de mon cousin, 3% de mon... Si je dois le mettre en pourcentage, je suis constitué par les autres. Et des cochons qu'on a, qui sont des parents, qu'on appelle fils, fille, etc. On dit « je suis la mère de ce cochon, je suis le père de ce cochon ». On dit à l'enfant « tiens, ton frère est là » quand on voit le cochon, etc. Il est dans le système de parenté, il porte un nom, et on est en relation avec lui, ce qui fait qu'on ne peut pas les manger. Il y a un livre de Rossmann et Rubel qui s'appelle « Your own pig you may not eat », c'est-à-dire, vous ne pouvez pas manger votre cochon. C'est le cas dans toute la Mélanésie. Les gens ne mangent pas leur cochon domestiqué. S'ils le tuent, ils le donnent à manger à quelqu'un d'autre. Et cette personne, éventuellement, va faire un retour
et donner son propre cochon. Donc, on ne peut pas manger quelque chose avec lequel on est en relation parce qu'on est partiellement constitué de cette personne. C'est comme si on se mangeait soi-même. Alors, je sais bien que chez les Inuits, il y a des gens qui se mangent soi-même, en particulier la fille qui mange son doigt et puis elle se mange, etc. Et puis après, elle veut manger son mari, mais c'est pas bien. C'est pas bien, n'est-ce pas? Même chez les Inuits, c'est pas bien. Donc, on ne peut pas se manger soi-même, donc on ne peut pas manger les choses avec lesquelles on est en relation. Ça, c'est le vieil argument de Durkheim sur le sang menstruel, où on ne peut pas avoir des relations sexuelles avec sa sœur, parce que c'est le même sang, et que ça, ce sera une catastrophe, etc. Parce que c'est le même sang. Par contre, on peut manger les choses avec lesquelles on n'est pas en relation, parce qu'on ne leur doit rien. Ils ne participent en rien à notre personne. Et on ne leur doit rien, ces gens-là. Donc on peut manger les porcs sauvages et les gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils sont pareils. C'est exactement la même chose pour les esprits. Les esprits que l'on connaît, avec lesquels on est en relation, on a un certain commerce avec eux, on peut les inviter à une fête, on peut leur demander, par exemple, si on peut leur demander, tiens, tu vas emmerder mon voisin parce qu'il m'a emmerdé, il couche avec ma femme, va l'emmerder un peu, etc. Donc, il y a toutes sortes de procédures qui font qu'on peut avoir des commerces avec les ancêtres que l'on connaît. Mais les ancêtres qui sont trop anciens, parce que les ancêtres, c'est comme les gens, ils ont une mémoire qui flanche au bout d'un moment. Parce que, surtout si on ne les invite pas à des fêtes. Si on les invite à des fêtes, ils se rappellent. Donc il faut faire des offrandes pour qu'ils viennent, parce qu'ils se rappellent qu'ils sont votre fils, votre cousin, etc. Mais surtout ce qui se passe, et c'est là où je voulais en venir, ce qui se passe, c'est que les ancêtres, une fois qu'ils sont morts, ils ne connaissent pas les enfants qui sont nés après leur mort. Alors imaginez que votre ancêtre rencontre votre enfant dans la forêt, il va lui faire des ennuis. Ça va être la pire, ça va être une attaque horrible parce qu'il ne sait pas que c'est votre enfant. Il ne sait pas qu'il a un rapport avec ce gars-là. Il ne l'a jamais vu, il s'en fout. Donc, les ancêtres, c'est comme les cochons et les hommes, les ancêtres qui n'ont aucun rapport avec vous, soit qu'ils soient les ancêtres des autres gens, soit qu'ils soient vos propres ancêtres qui vous ont oublié, eh bien, ils vont vous attaquer. Et c'est extrêmement difficile, quand vous êtes attaqué dans la forêt, de savoir si vous avez été attaqué par un ennemi ou par un ancêtre que vous ne connaissez pas. C'est extrêmement difficile, c'est presque impossible. C'est la même chose. Donc, au-delà de la zone des gens avec qui on est en relation et de la zone des cochons domestiqués, il y a toute une série de choses qu'on peut manger, des ancêtres, des ennemis, enfin des gens qu'on ne connaît pas, ou des cochons. Toutes ces choses-là, c'est absolument et parfaitement mangeable autour de la zone de votre parenté. D'où la nécessité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être un parent, parce que sinon, on est rien. On est en dehors de cette zone. Donc le rituel constitue des relations le plus loin possible avec les vivants et avec les ancêtres. Au cours du rituel d'initiation, on fait venir les ancêtres pour leur présenter les enfants, de manière à prolonger d'une génération encore le lien qu'ils ont avec les ancêtres. Sinon, ils les connaîtraient pas, tout simplement, très concrètement, ils ne les connaîtraient pas. Mais en même temps, au moment du rituel d'initiation, tout le monde peut venir, et donc on est obligé de faire venir, on est auto-obligé, tout le monde peut venir, y compris des ennemis, des gens du loin. Ils viennent masqués, on ne pourra pas les reconnaître, et ça peut être extrêmement dangereux.
C'est pour ça que le rituel d'initiation est un moment difficile, parce qu'on fait venir des gens, les gens viennent masqués, la nuit, ça se passe la nuit, on ne les voit pas, on ne sait pas qui c'est, et ces gens-là, ils attaquent vos enfants. Et ils attaquent votre village. Ils peuvent brûler les maisons, tuer les cochons, tuer les enfants. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc avant un cérémoniel, avant une cérémonie d'initiation, ce qu'on fait, c'est qu'on passe des années à pacifier tout l'environnement. Par exemple, moi je suis le père d'un enfant et je vais l'initier. Je vais me dire, mais à qui j'ai pu causer du tort ces dernières années? Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas, Pierre, je lui ai dit ça, c'était pas très gentil. Alors, je vais prendre un cochon, je vais aller lui donner. Et je vais lui dire, tu sais, je t'ai dit, ça, mais il ne faut pas trop y penser à cette histoire-là. En fait, je ne pensais pas, j'étais un peu énervé. Genre là, hop, je donne un cochon. Et c'est comme la psychanalyse. Hein. Donc, avant une cérémonie, bien sûr, tout le monde, alors, parce qu'il y a souvent beaucoup d'enfants qui sont initiés en même temps, donc tout le monde va dans tous les environnements et, en se disant, bordel, à qui j'ai pu nuire? Ah, j'ai volé un régime de bananes là, dans le machin. Ah, je vais aller quand même lui dire, tu sais, j'ai volé un régime de bananes chez toi, mais voilà, je te rends un régime de bananes parce que maintenant, on ne peut pas rester comme ça. Parce que j'ai peur que ces mecs-là vont arriver et vont faire un mauvais sort à mes enfants. Parce qu'ils vont venir. Donc, avant l'initiation, on crée une espèce de zone de paix tout autour, parce qu'on pacifie, parce qu'on meurt de trouille, que les choses se passent mal. Donc, on pacifie l'ensemble de l'environnement et on le pacifie grâce à un moyen classique en Mélanésie, on donne des cochons, on donne des bananes, on donne des tarots, donc c'est le don qui permet de pacifier l'ensemble de l'entourage. Au moment de l'initiation, à la fin de l'initiation, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai décrit ça par exemple dans mon livre La Honte des échanges de manière très détaillée. Au moment de la fin de l'initiation, les enfants sont sortis de réclusion et on les amène dans la forêt. C'est pas les parents des enfants, hein, les parents choisissent un décorateur d'un autre village ce décorateur va décorer les enfants dans la forêt. Il y a plusieurs qui se mettent ensemble et ils décorent les enfants. En général, les décorateurs amènent leur groupe de danse, hein, leur ballet. Une fois qu'ils ont décoré les enfants, que le ballet est organisé, on commence à avancer vers le village. On va présenter les enfants décorés dans le village. Mais on ne prend pas les routes qui existent. Ça, c'est fini. On coupe, avec un coupe-coupe, une nouvelle route. Et c'est à travers cette nouvelle route qu'on va arriver. Ce qui fait que dans le village, les gens, ils sont là, ils attendent que les groupes arrivent, mais ils ne savent pas d'où ça va venir. Et forcément, ça ne vient pas sur une route. Ça vient de nulle part, en quelque sorte. Et donc, le type coupe la dernière haie, et les gens arrivent, ta, 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 avec les tambours, boum, 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 on rentre dans le machin, et t'as une rangée de 150 mecs qui arrivent tout décorés, etc., en pleine forme. Et des filles aussi, en pleine forme, tout le monde est... pète la santé, etc. C'est très marrant. Mais ce qui est important là, pour moi, en tant qu'anthropologue, c'est qu'on crée des nouvelles routes. Et ces nouvelles routes joignent ce village avec leur environnement, c'est-à-dire le village des décorateurs et les villages qui sont autour, qu'on a réussi à pacifier pour l'occasion. Donc, un rituel d'initiation répand une sorte de là, c'est concrètement, hein, ouvre des routes jusqu'à un certain endroit. Et c'est pas, il n'y a pas de frontière. Ça disparaît graduellement. Les relations disparaissent graduellement. Et c'est dans ce genre de monde où on vit, où au-delà de la relation qu'on renouvelle régulièrement, il n'y a plus de relation. Et là, on peut manger les gens. Et on peut manger les cochons. Hein? Vous voyez, donc le rituel est absolument indispensable pour
créer cet environnement de vie. Et sans ça, il se passe ce que les mythes décrivent, c'est-à-dire que chaque personne vit individuellement, on n'a pas de maison, on n'a pas de jardin, parce que c'est la guerre permanente, on vit dans des espèces de cavernes. Quand le mari dort, la femme surveille avec la lance. Quand la femme dort, c'est le mari qui surveille avec la lance. On mange debout, on ne fait pas de feu. Parce que faire un feu dans la forêt, c'est vouloir s'attirer des ennuis. Hein, parce que la fumée monte, tout le monde... c'est très simple d'arriver et de vous bouffer. Hein. Donc pas de feu, on mange cru, on reste debout. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc le rituel, c'est ce qui fait la différence entre cette vie misérable... de guerriers absolument horribles qui mangent cru et la vie qu'on a qui est quand même une belle vie quand on est quand on fait des rituels. Voilà donc pour les rituels. Alors les rituels, ce qu'il faut dire, et je vais peut-être finir là-dessus sur la question des rituels, c'est que les rituels, dans beaucoup de sociétés, les rituels sont faits en des espèces de gros morceaux. Il y a des briques. Ça me fait penser à un Lego pour les enfants. Hein, il y a des briques de rituels. Et on a l'impression que ces briques sont assemblées de manière différente pour constituer chacun des rituels. Par exemple, l'initiation, il y a un certain nombre de briques. Le mariage, c'est les mêmes briques. Il y en a moins, etc., et elles sont placées différemment. Mais c'est un vocabulaire. Donc, c'est des métalangages, les briques du rituel. C'est déjà des significations compactées. C'est comme des petits programmes par rapport à un grand programme informatique. C'est des routines, quoi. C'est des routines toutes faites, et on fait un programme en combinant les routines. Hein? C'est pour ça que le rituel, c'est un langage organisé globalement. C'est une totalité. Et c'est pour ça qu'il est hiérarchisé aussi. C'est organisé globalement parce qu'il est constitué de briques qui sont des briques de métalangage qui s'empilent et qui constituent des significations. Mais dans son ensemble, il faut analyser l'ensemble du cycle rituel comme formant une totalité. J'ai appelé ça le système rituel, plutôt que cycle rituel, parce que le cycle, c'est le passage de l'individu à travers le cycle, mais le système rituel, pour moi, c'est justement le fait que cet ensemble de rituels est cohérent parce qu'il est constitué des mêmes briques, qu'on organise à chaque fois de manière différente. Les gens, quand ils inventent un rituel, ils ne partent pas de zéro. Ils disent, ah ben, dans ce rituel, on fait ça, alors comment on veut faire ça, ben, on va utiliser ce morceau-là, et puis on va utiliser l'autre morceau, etc. Donc on constitue un truc à partir de briques qui existent déjà. Quoi. On ne part pas à zéro en se posant la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, on prend la brique qui, par exemple, permet de tuer le cochon. On l'utilise toujours de la même manière. Hein. Dans tous les rituels, on utilise cette brique-là, on tue le cochon comme ça. Et si on veut la changer, on peut la changer, mais il faut qu'il y ait une raison. Hein. On voit bien le rituel, en quelque sorte, empêche le monde de revenir à un état mythique, en quelque sorte. C'est ça la mélanésie. La mélanésie, le rituel sort les gens de l'état mythique. L'état mythique, c'est un état assez lamentable, c'est un état où il y a une très grosse instabilité, on peut compter sur rien. C'est vraiment horrible. On a une femme, mais elle va se transformer en serpent, et puis après en aigle, et après l'aigle va se transformer en cochon. On peut compter sur rien. Les pères mangent leurs enfants, les femmes tuent leurs maris. Enfin, c'est vraiment c'est abominable. C'est terrible dans les histoires mythiques. Ce que donne le rituel, c'est la stabilité. La stabilité, c'est-à-dire, c'est la distinction entre les sujets et les objets de l'échange.
Alors, je vais raconter ça. Aujourd'hui, ça semble très banal, ce que je dis, parce qu'on a beaucoup parlé des animaux dans leur rapport, aux hommes, etc. C'est à la mode en anthropologie en ce moment. Mais à l'époque, quand j'avais fait ça, il y a très longtemps, dans la rampe des échanges, en disant que finalement, les porcs et les hommes, les cochons et les petits hommes, c'est la même chose. Les enfants et les cochons, c'est la même chose. Je me rappelle, Eric Schwimmer me disait, mais non, mais quand même, il voit la différence entre les cochons et les animaux. Et je disais, mais oui, Eric, mais c'est pas la question. Il voit, mais du point de vue de ce que ça représente dans le monde, c'est à peu près la même chose. Alors, le rituel d'initiation, c'est la distinction de ces deux choses-là. On élève les cochons et les enfants de la même manière. On les appelle enfants, etc. Et puis, il y a l'image très classique et très moche, et aujourd'hui très coloniale, de la nana qui donne le sein à un cochon, et elle a un bébé et un cochon de l'autre côté. Alors, ça fait très colonial, mais effectivement, c'est une image qui existait. Les femmes donnent le sein parfois aux cochons, elles aiment bien jouer avec, donner le sein, c'est un grand mot, disons qu'en tout cas, elles l'ont toujours comme ça sur elles, etc. Les petits cochons, ils sont mignons, d'ailleurs. Donc, les enfants et les cochons sont élevés de la même manière. Ils sont au même endroit. Et qu'est-ce qui va se passer au moment de l'initiation? C'est que les cochons vont être tués et les enfants ne le seront pas. En général. Quelquefois, alors, je vais continuer sur ça. Les enfants vont devenir quoi? Les sujets de l'échange. Ils vont échanger des cochons. Ce sera leur premier échange. On va donner un cochon à leur place pour eux au moment de l'initiation. Et les cochons deviendront les objets de l'échange. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Si un enfant est tué pendant l'initiation, on l'enterre sans que personne ne le sache. Ses parents ne sauront pas où il est enterré. Par contre, le cochon que les parents destinaient à l'initiation de l'enfant ne va jamais être tué. Il sera gardé jusqu'à sa mort naturelle et après on l'enterrera comme une personne. Donc il y a vraiment deux destins. Il y a le destin de celui qui meurt dans l'initiation, il y a une paire. En général, et tant que c'est comme ça, le monde va continuer à tourner, c'est plutôt les hommes qui ne sont pas tués dans l'initiation, et c'est plutôt les cochons qui le sont. Mais quand ce sera l'inverse, ça sera fini hein, de la société. Donc cette distinction entre sujet et objet de l'échange est un des acquis fondamentaux de l'initiation. Ce n'est pas quelque chose de naturel hein, d'avoir des objets à échanger. Hein, faut pas oublier que chez nous, c'est Dieu qui a dit à Adam et Ève, vous pouvez prendre les cochons et les bouffer. Et s'il n'avait pas dit ça, on se poserait toujours la question, est-ce qu'on peut vraiment les manger, ces trucs-là hein? Donc, c'est pas du tout évident de distinguer dans les choses qui te sont familières, celles qu'on peut tuer. C'est comme si tu prenais ta sœur, tu disais, bon, ben, c'est ma sœur, mais je vais la tuer, je vais la bouffer. Enfin, tu ne pourrais pas la bouffer toi-même, tu la donnerais aux autres. Et d'ailleurs, chez les Harare, là où a travaillé Daniel de Copé, quand il y a un meurtre, si par exemple le meurtrier tue quelqu'un et on demande qu'il rende un cadavre pour clore la situation, ben, en général, il va voir sa sœur, il dit, oh là là, t'as eu tes règles et t'as fait à bouffer. C'est pas une bonne idée, ben je vais te tuer. Et il lui donne un grand coup, et puis il envoie son cadavre à l'autre, et puis l'autre dit, bon, ben, si tu m'as donné un cadavre, maintenant on est quitte. Enfin, c'est un peu plus compliqué, parce qu'après il y a des prestations. Mais c'est pas si simple que ça, de distinguer ce qu'on peut donner de ce qu'on peut pas donner, ce dont on peut se séparer, qui est proche de soi, qui est partie de soi, ce dont on peut se séparer, pour en faire un objet de l'échange, c'est-à-dire de la monnaie, en fait, hein, le faire circuler.
Et ou alors on peut se couper un bras et le donner, par exemple. Voyez, donc l'initiation est une réponse à cette question, comment créer une monnaie? Et à partir du moment où on a distingué le cochon de le sujet de l'objet de l'échange, sujet de l'objet de l'échange, pas le sujet de l'objet au sens philosophique, le sujet de l'objet de l'échange, ben là on peut avoir des rituels. Et c'est fondamental que ce soit ces rituels, que cette distinction se fasse. Voilà. Donc.